deux minutes où la cérémonie, la première cérémonie vient de prendre fin. Donc vous avez suivi ça en direct avec différents discours, le discours du président de la République. Là, nous sommes justement dans le salon VIP de la République démocratique du Congo. Ce salon est subdivisé en deux. En bas, c'est les expositions. On expose tout ce qui est richesse de la République démocratique du Congo. D'ailleurs, le président vient de visiter avec son hôte qui nous reçoit ici à Dubaï. Tout à l'heure, on va vous expliquer beaucoup de choses qui sont passées. L'émir ne se déplace pas. Mais pour la République démocratique du Congo, il s'est déplacé pour voir et vous verrez, tout a été exposé ici. Et tout ce qui a été exposé à la fin, il y a cette richesse qui reste... Notre richesse, la rumba congolaise qui est le patrimoine immatériel de l'UNESCO, cette rumba aujourd'hui qui fait vendre également la République démocratique du Congo. Nous sommes ici, on a dit, nous sommes venus présenter un pays qui reste un pays solution. Nous sommes solution à tout. J'ai dit quand je dis nous sommes solution à tout, nous sommes solution à tout. Tout ce qui peut être fait dans le monde entier, le matériel, le premier matériel sont en République démocratique du Congo et donc nous sommes venus présenter un pays solution. Zacharie Baba, c'est quelque part, je l'ai vu, il va me rejoindre d'ailleurs avec lui, on est en train d'échanger tout à l'heure. Bonjour à tous les Congolais. Bonjour Zacharie. Bonjour Jessie et bienvenue à Dubaï. Allez, il est 12h passées de 4 minutes exactement. Nous sommes venus présenter, vendre un pays solution. D'abord, je voudrais saluer tous les Congolais qui nous regardent à travers le monde grâce à cette magie de la télévision. Grâce à la télévision nationale, grâce à la RTNC, nous sommes notre pays, nous sommes venus ici valoriser la République démocratique du Congo en disant que nous sommes un grand pays, un grand peuple, avec un grand président, avec des grandes richesses, avec des grandes solutions. Aujourd'hui, ici à Dubaï, c'est notre journée, parce qu'il faut rappeler que l'exposition universelle est un grand rendez-vous du donner du recevoir. Chaque pays vient exposer ou s'exposer par rapport à ce qu'il peut offrir au reste du monde, et la RDC a énormément de choses à donner, et le président de la République est revenu là-dessus, en rappelant que nous sommes un pays solution pour les deux grands problèmes qui se posent dans le monde, le problème des énergies renouvelables et également en ce qui concerne la respiration, l'air. Nous sommes notre forêt est la meilleure réserve aujourd'hui en termes d'oxygène. Donc aujourd'hui, c'est notre journée nationale. Pour résumer un peu pour un petit souci technique. Français Bélé Doué. Tout ok. Ah. Tout ok. Qui? Captain Ma En Mubala Ma Mettez. Ouais bon. C'est ça. Bon. Oh, nous on essaie de faire mourir, mais on va pas mourir. Oh, on a bien mouillé. Oui, oui, Alice.
Exactement 12 ans passés des 8 minutes ici à Dubaï où la République démocratique du Congo est venue présenter un pays solution à tout. Aujourd'hui, toute la journée, hein, nous allons faire vivre tout ce qui va se passer ici jusqu'au soir. Différentes visites. Dans quelques instants, le président de la République suivra en direct le président qui a la cérémonie ouverture de la journée de la République démocratique du Congo. Juste après, c'est la visite du stand. Vous savez, le stand de la RDC, le salon de la RDC est divisé en deux parties. Là, nous sommes dans le salon VIP. Nous sommes au-dessus, mais en bas, c'est tout ce qui est République démocratique du Congo qui est exposé, tout ce que la République a de solutions. Allez, Zachary va me rejoindre, j'ai toujours Zachary, hein, qui sera mon consultant du jour. Jusqu'au soir, Zachary sera à mes côtés. Bonjour Jésus et bienvenue à Dubaï. Bonjour Zachary, on est à Dubaï, on est venu présenter un pays solution. D'abord, je salue tous les Congolais à travers le monde, ceux qui nous regardent sur la RTNC, la télévision nationale. Nous sommes très heureux de vous recevoir à Dubaï. Dubaï qui aujourd'hui offre l'opportunité à la RDC de se présenter comme étant un pays d'opportunité et un pays solution aux deux grands problèmes qui se posent dans le monde, le problème de l'énergie renouvelable et le problème par rapport aux produits, par exemple, le problème de l'air, respiration. Vous savez que nous sommes en train de vivre à crédit aujourd'hui, l'humanité vit à crédit par rapport à l'air et le Congo est venu apporter ce message-là aujourd'hui. L'exposition universelle est un moment où chaque pays, chaque peuple vient montrer, vient donner pour recevoir, vient montrer et faire savoir ce dont il est capable. Voilà pourquoi aujourd'hui le président de la République, en cette journée nationale de la RDC, parce que chaque pays a son jour, a donné un message d'espoir pour le peuple et pour l'humanité. Qu'est-ce qui va se passer exactement aujourd'hui et qu'est-ce qui s'est déjà passé? Avant d'arriver à ce qui va être, ce qui va arriver, parce que nous avons plein de Congolais qui sont arrivés, les Congolais d'ici et d'ailleurs, qui seront sur cette télévision nationale pour parler de ce qu'ils sont venus faire. Mesdames et messieurs, nous sommes un grand peuple, nous sommes un grand pays, nous avons des grandes solutions, nous avons des grandes inventions, nous avons les grandes réserves du monde. Voilà ce que nous sommes venus dire au monde ici aujourd'hui. Ne nous minimisons pas, nous sommes un grand pays, un grand peuple avec un grand président, alors, avec une grande légende, un accueil légendaire. On a souligné quelque chose de très particulier qui s'est passé aujourd'hui, c'est le déplacement de l'émir qui s'est déplacé. Alors je voudrais rappeler que pour ceux qui sont venus ici ou ceux qui suivent régulièrement ce qui se passe à Dubaï, vous aurez remarqué que c'est très très rare que le roi se déplace. Généralement, c'est le ministre de la tolérance qui vient. Nous sommes dans un pays musulman, mais où il y a la tolérance, où les femmes peuvent se promener décoiffées, où on peut porter sa petite jupe, et puis un mini-jupe où il y a circulé tranquillement, où on peut être, en tout cas, à s'habiller comme à l'occidental. Le ministre de la tolérance, c'est lui qui vient chaque fois qu'il y a des événements ici. Mais là, particulièrement pour la RDC. Depuis le début, c'est la troisième fois que le roi se déplace. Entre le 1er octobre et aujourd'hui, nous sommes le 22 mars, il se déplace. Ça veut dire que les Émirats Arabes Unis donnent une place de choix à la République démocratique du Congo. Nous devons donc être à la mesure et à la hauteur de cette confiance qu'on nous fait. Voilà, donc je voudrais que les Congolais, comme j'ai passé le message... La question aujourd'hui, Zachary, parce que tu seras mon consultant du jour, hein, la question aujourd'hui, pourquoi il ne se déplace pas pour les autres pays? Pourquoi seulement pour la RDC? Et il s'est déplacé et il a visité. Toi, on va vous montrer les images. Hein, il y a quelques minutes, ça s'est passé il y a quelques minutes. Oui, effectivement, il a visité. Le roi de Dubaï était ici dans notre stand aujourd'hui. Il a visité tout ce que la RDC a exposé ici. Et il a mis plus de temps que prévu. Donc, il était prévu que la visite sur notre stand se déroule en 10 minutes, protocole chrono. Mais le roi a passé 17 minutes, donc 7 minutes supplémentaires. Et ceux qui connaissent la rigueur du protocole savent ce que cela veut dire. Donc le roi de Dubaï est resté 7 minutes supplémentaires dans le stand de la RDC en train d'admirer ce qu'il n'a jamais vu ni touché. Et alors le président de la République qui a fait, on va vous envoyer les images, le président de la République qui a fait visiter au roi tout ce qui est. Et à la fin, ce qui était intéressant, le président était fier de montrer ce patrimoine immatériel de la RDC, la rumba. Et finalement, la rumba était à l'honneur, vous savez. Mais le commissaire va me rejoindre. On ne le dit pas assez, mais la rumba ici, et c'est l'événement, et on a vu comment est-ce que le roi lui-même, bon, sûrement qu'il écoute la rumba et la danse aussi quand il peut, mais c'est quelque chose d'extraordinaire. La rumba ici, c'est quelque chose de grand. Et puis nous avons amené ce soir, il y aura de la rumba ici, ça va chauffer ici avec
la rumba. Alors, je vous dis, nous sommes ici en Dubaï, nous sommes à Dubaï, je voulais dire, jusqu'au soir, toute la journée, vous aurez plusieurs directs, mais le clou de la journée, ça sera, vous aurez 18h à Dubaï, il sera 15h à Kinshasa, ou 2h de direct avec Maître Gims qui va se produire pendant 40 minutes, Jossard Nyokalo qui va se produire pendant 30 minutes, Jibem Piana qui va se produire pendant 30 minutes, et puis il me semble Baloumé également pour qui vont se produire. Donc, c'est-à-dire que ce sera un gros show que vous allez suivre en direct ici à Dubaï. Et c'est très attendu. Alors, le monsieur que vous voyez, c'est notre compatriote. J'aimerais que les Congolais puissent l'applaudir dans des conditions qui sont les nôtres, dans des conditions difficiles. Ce monsieur, avec une équipe légère, est ici. Il a fait ça fait presque plus de 6 mois. Avec, il a abandonné sa femme, ses enfants. Il est ici pour que le résultat d'aujourd'hui soit ce qu'il est. Monsieur Manga Manga. Bonjour et merci, les Congolais vous écoutent. Je vous donne le micro, vous allez répondre aux questions de Jesse. Monsieur Mangamanga qui est le commissaire de Expo 2020 pour la République démocratique. Monsieur Mangamanga, bonjour. Bonjour, messieurs les journalistes. Alors, comment vous avez préparé cette expo? Comment vous avez l'air d'essayer? Je vous dis que ça a été un parcours du combattant. Ça n'a pas été facile pour que nous arrivions à ces résultats que nous avons aujourd'hui, que nous tous nous applaudissons. Et surtout que... le premier citoyen de la République du Congo a accompagné de la distinguée première dame, hein? Lady, comme on dit ici à Dubaï, venir pour célébrer cette journée nationale. C'est la fête nationale ici. C'est comme si on fêtait notre indépendance. Le 30 juin. Le 30 juin. Ouais. Ici, c'est. J'ai suivi M. Zakari le dire, Zakari, comme on le dit, dire que l'émir de Dubaï. S'est déplacé. Le ministre de Dubaï s'est déplacé. C'est pas tout à fait. Vous l'avez dit, c'est le ministre de la Il a bien apprécié. Et pour les Congolais, il y a espoir. Parce que nous avons récolté beaucoup de choses. Mais les expositions, les résultats, ce n'est pas après 2 jours, 3 jours. Dans 6 mois, nous verrons l'évaluation. Combien d'investisseurs qui sont venus, parce que nous en avons eu plus de 1000 qui ont frappé à nous. Alors qu'il était initialement prévu qu'il y ait seulement 300 investisseurs qui seraient là, mais il y en a eu plus de 1000. Voilà, plus de 1000. Et nous voulons dans 6 mois, dans une année, pour avant d'aller à une autre exposition à Osaka ou au Japon, nous voulons vraiment évaluer qu'est-ce que nous avons gagné. Parce que mobiliser beaucoup de gens comme ça, nous avons 12 ministres qui ont accompagné le président. C'est pour vous dire que nous avons des intérêts très offensifs avec les Émirats arabes. C'est un pays qui trouve aussi de l'intérêt. On l'a vu déjà depuis hier au forum et aujourd'hui, l'émir de Dubaï l'a exprimé. Vraiment, comme tenons dans la main, ne nous minimisons pas comme on dit, nous sommes un pays solution. Extraordinaire. Allez, monsieur le commissaire, je vais vous libérer. Vous libérer. Le président. Je vais accompagner le allez, ministre. Le ministre de l'Industrie va nous rejoindre. Le ministre de l'Industrie va nous rejoindre sur ce plateau. Je n'ai pas le coup. Alors, parmi les grands problèmes que le monde a aujourd'hui. Ok. Les Congolais. Le Congo est venu ici parce que le Congo apporte la solution au problème des énergies renouvelables. Qu'en est-il exactement? Bienvenue, Excellence, Monsieur le Monsieur ministre. Monsieur le ministre, merci. Vous ne vous reposez pratiquement plus. Je vais vous donner le micro, vous allez répondre aux questions de Jesse. Monsieur le ministre, on est à Dubaï, Expo 2020. On est venu présenter quoi, en fait? La question, ça c'est la grande question. Qu'est-ce qu'on est venu présenter? On s'est dit pays solution. Aujourd'hui, on est venu présenter quoi? Solution en quoi? Bon, ce qui est vrai, la RDC a souvent communiqué en interne. Et ça fait que nous nous recroquevions sur nous-mêmes autour de nos problèmes. Et nous avons laissé les autres communiquer sur nous. Et à l'avènement du président Félix Antoine Tshisekedi, il a estimé qu'il était temps pour que nous cessions de communiquer seulement en interne, parce que les échanges se font entre nous, on n'aborde pas les problèmes en international. Et lorsque les autres communiquent sur nous, ils choisissent comment ils vont les faire. Comme dit toujours le ministre Mouyaya, si nous disons pas ce que nous faisons, si nous, les autres le diront, ils le diront mal. Et alors, il dit toujours mal de la RDC et ça fait que l'image de la République démocratique du Congo est vendue par ceux qui ne veulent pas que nous soyons bien vendus. Et voilà pourquoi les chefs de l'État, vous me voyez dans tous les avions ces derniers temps, avec d'autres collègues, pour que nous parlions de cette République démocratique du Congo
qui est le pays solution. Solution à triple, quadruple, quintuple, décuple niveau. Alors, monsieur le ministre, la grande question aussi, on l'a fait passer, on a eu cette conférence qui s'est passée au Congo, le batterie, on a dit, le voiture électrique, la RDC est la solution pour la production de voitures électriques. Est-ce que le projet continue? Est-ce que vous voulez nous parler de ça ici? Mais aussi, oui, le business forum que nous avons tenu en décembre dernier a produit déjà beaucoup, beaucoup de résultats. Il y a une mission qui s'est rendue en Zambie quand j'étais encore ici à Dubaï pour la question des 10 plus hautes, c'est-à-dire la construction du port en eau profonde des bananes. En même temps que j'étais ici, il y a une délégation qui était partie en Zambie pour rencontrer le président zambien, parce que le projet pilote, nous allons le faire en collaboration avec la Zambie. Et donc, la Zambie et la RDC vont signer un protocole d'accord pour la mise en œuvre de ce projet de fabrication de batteries électriques. Et nous serons soutenus par la Afreximbank. D'ici ce dimanche, il y aura une mission qui va se rendre en Égypte pour rencontrer Afreximbank pour la structuration financière, de manière à nous rassurer que les financements sont déjà bien bouclés. Et nous sommes accompagnés par la Commission des Nations Unies pour l'Afrique, qui est pilotée par Mme Vera Songo. Donc je crois que... Alors, parlons justement de cette question de banane, parce que les gens ont dit, ont spéculé dans tous les sens. Le président a posé la première pierre, et puis la délégation est venue ici à Dubaï. C'est comme si ça n'a pas été négocié en amont. Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Non, moi je pense qu'il y a eu peut-être une mauvaise interprétation de ce que nous sommes venus faire. Lorsque un contrat est signé, c'est-à-dire une convention de collaboration ou un contrat en international, il y a ce qu'on appelle les conditions suspensives du contrat. Ça ne veut pas dire que le contrat est suspendu. C'est des conditions qui doivent être observées par les parties au contrat. Je vous donne des exemples. Lorsque DP World a signé avec la RDC sur la construction du port en eau profonde, il y a quelques conditions qui doivent être observées et par la RDC et par DPO. Par exemple, pour nous, les partenaires veulent se rassurer qu'en exécutant ces travaux, nous ayons évacué toutes les personnes qui peuvent se retrouver dans la concession. Pour qu'un jour, quelqu'un ne se lève un matin et dise, vous venez construire un port en eau profonde, ça c'est ma parcelle. Ça c'est la première condition. D'accord. La deuxième condition, c'est par exemple, l'investisseur veut se rassurer que toutes les marchandises qui viennent à l'international vont avoir comme seul point d'entrée les ports en eau profonde. Parce qu'il doit se rassurer du retour sur son investissement. S'il investit 300 millions de dollars, il faut qu'il se rassure que dans les 15, dans les 25 ans, il a remboursé son investissement. Ça, c'est la deuxième condition. La troisième condition, c'est par exemple, cette concession-là était dans le domaine public de l'État. Ça doit être reversé dans le domaine privé de l'État. Donc, ce sont des éléments qui marchent de pair avec la mise en œuvre du contrat. Alors, nous sommes venus échanger avec DP World pour que lui aussi nous rassure qu'il a mobilisé, parce que parmi les conditions suspensives du contrat, c'est que lui aussi doit nous rassurer qu'il a mobilisé l'ensemble du financement qui doit être mobilisé, disons, pour les ports. Donc, je voudrais rassurer tout ce qui m'avait lu ou m'avait suivi qu'il ne s'agissait pas de la suspension du contrat, mais de l'examen des conditions qui seront observées par les parties pour la bonne mise en œuvre. Donc, en conclusion, on peut dire, après cette réunion de Dubaï, donc tout est OK, la construction du port en eau profonde, ça sera effectif. Ça sera effectif et la task force a été mise en place, pilotée par 6 ministres qui doivent évaluer mensuellement, trimestriellement, semestriellement toutes ces conditions-là pour qu'on se rassure qu'aucune des parties ne déroge à ses obligations. Le début des travaux, il commence quand? Parce que c'est ce qui me regarde à moi dans cette bise. Il faut que ça soit rempli. Voilà. Non. L'exécution des travaux au terme d'un contrat commence par la pose de la première pierre. Et donc, il ne faut pas que les gens pensent qu'on va encore poser une autre pierre. Non. La pierre est déjà posée et les travaux ont déjà commencé. Maintenant, les restes des questions administratives qui sont en train d'être finalisées, ça et là, n'ont rien à voir avec la pose de la première pierre. C'est déjà lancé. Les gens viendront seulement constater que le port est en train de construire. Monsieur, nous allons laisser partir. Vous avez beaucoup de choses à faire, certainement. Merci. On vous laisse partir. On va vous retrouver plus tard. Merci. Voilà, nous avons 12 ministres. Je pense que ce qui est mieux à faire, c'est de recevoir tous les ministres au fur et à mesure. Et puis, mais ce que j'aime, justement, on va me donner l'image qui est derrière. C'est l'OCAPI. Le membre du gouvernement, non, le membre du gouvernement qui est plus proche de nous. C'est Nicolas, voilà. J'aime bien me donner cette image qui est derrière nous. C'est également parmi les richesses de la RDC. C'est l'OCAPI. Madame la ministre des Mines, bonne région, elle va venir. C'est cet OCAPI, Oetikalaka, et le Mboka, Oyo Zakari.
En fait, le Congo ici, le ministre Falou vient de parler. Les gens qui parlaient de nous, en fait, maintenant nous voulons commencer à parler de nous, nous-mêmes. Avant, on parlait de nous. On a vu des stands par le passé. On a vu ça à Madrid, mais beaucoup de pays ont enlevé l'Okapi. Ils disaient que l'Okapi, c'était chez eux. Est-ce que c'est à Bangui? Le Congo ne venait plus. Ça fait 20 ans qu'on n'a plus jamais été dans ce genre de manifestation. Donc, les gorilles des montagnes. Notre Okapi a été présenté par des pays voisins. Voilà, c'est notre Okapi. Non, nous avons rappelé que non, même l'Okapi que vous voyez dans tous les zoos du monde, c'est la RDC, encore que il faut qu'on nous paye, parce que c'est, on ne sait pas comment ces Okapi sont arrivés là-bas. Donc, oui, nous voulons ici apporter le nouveau message par rapport à cet animal. Nous avons les top 5 du tourisme, mais nous on a en plus, nous avons l'Okapi et nous avons le gorille de montagne avec argenté, avec le dos argenté. Alors qu'on a... C'est uniquement au Congo. Alors qu'on a vu certains pays dire que je vais visiter tout. Et on montre le gorille de montagne et l'Okapi, mais bon, désormais, on va dire visiter la nation. Nous parlons de nous-mêmes. Madame la ministre, bonjour. Oui, bonjour, monsieur. Vous allez bien? Oui, ça va. On est à Dubaï. Qu'est-ce qu'on est venu présenter dans le cas de Mimi? Bon, moi je suis venu présenter les opportunités d'investissement dans le secteur de Mimi. J'ai expliqué comment aujourd'hui la RDC est devenue un pays solution. Je crois autrefois, pour faire taire les armes lors de la guerre mondiale, on a dû utiliser l'uranium du Congo. Et aujourd'hui encore, nous sommes à la croisée des chemins. Parce qu'à changement climatique, nous, la RDC est producteur de tous les métaux d'avenir. Nous avons le lithium. Les cinq métaux. Généralement, les gens croient qu'il n'y avait que le diamant et l'or. Pas que les cinq métaux. Hein, qui entrent dans la composition. Même les accessoires. Nous avons tout au Congo. Voilà. Donc, nous sommes venus présenter toutes ces opportunités-là et encourager les investisseurs à venir en République démocratique du Congo. Et aujourd'hui, nous avons une stratégie, c'est celle de faire transformer les minerais en République démocratique. On vous a vu hier à la Chambre de commerce, vous étiez heureux, et, j'ai envie de dire, très fier de parler des minerais de la RDC, parce que c'est ce pays solution qui a tout, on peut tout trouver en RDC. Bien évidemment, je crois, je ne sais pas quel autre commentaire j'aurais à faire. Nous avons du lithium, c'est pour les gens de se visiter. Et là, nous avons une sixième filière, les terres rares, la monazite. C'est nouveau ça? C'est pas encore là. Et nous sommes en plein processus de cette nouvelle filière. On attend les ministres? La monazite. Voilà, on attend tous les ministres. On va libérer, c'est pas fini. Ce que nous voulons faire, s'il vous plaît, monsieur le ministre, le gouvernement de la République, on vous a invité, mais faites quand même le tour ici, qu'on vous voie. Et puis nous allons rester avec monsieur le DG. Monsieur le ministre, mesdames et messieurs le ministre, membre du gouvernement. Voilà, c'est une de celles qui est à l'honneur ici, c'est la madame la ministre de la Culture pour la Rumba. Mais on vous attend tous pour partir. Madame, la Rumba. Alors, on a aujourd'hui peut-être que l'émir de Dubaï. Il va danser. Mais il a vu la photo de Franco. Voilà. Il a dit Franco. On donne le micro. Madame la ministre, oui. Tout à l'heure, je viens de voir le président et la première dame. Non, mais beaucoup plus gros, c'est l'émir. Voilà, en train de dire à l'émir. Franco. Ouais. La rumba qui est à l'honneur. La rumba devrait être à l'honneur parce que c'est notre histoire. La rumba, c'est notre identité. Et c'était le moment ou jamais de venir à ces rendez-vous, de donner et de recevoir. Voir dans quelle mesure nous pouvons vendre cette rumba au monde. Essayer de réfléchir avec les investisseurs, parler de nos masques et danser. Voilà. Mais madame, ce soir, vous avez concocté un programme extraordinaire sur 200 ans de rumba. Qu'en est-il exactement? La rumba, c'est toute une histoire, comme je venais de le dire. Et la rumba, c'est le commencement. Avec notre slogan, on dit, nous faisons battre les cœurs de l'Afrique, mais c'est les cœurs du monde. Alors avec la rumba, nous sommes en train de projeter sur le cinéma, sur le théâtre, le livre et le masque, et nous sommes en train de réfléchir business. Comment est-ce que nous pouvons créer des relations avec les businessmen? Comment ils vont soutenir les actions, la publicité? Comment ils vont nous accompagner dans les tenues de la rumba, l'élégance? Comment nous allons produire
d'ethnie congolaise, parce que avec la mode, on sait quand on est aux Émirats Arabes Unis, comment les Émiratis s'habillent. On sait comment les Sénégalais le font, et les Congolais sont en train de venir avec les designs. Donc lorsque nous sommes venus pour la rumba, nous venons avec le message de design. Chez nous, il y a des créateurs. C'est l'industrie culturelle créative que nous sommes en train de promouvoir. Et le chef de l'État nous a demandé de montrer de quoi nous sommes capables. Et nous sommes capables de beaucoup de choses. Si vous essayez un peu de voir dans les stands du Congo, où la culture apparaît partout. Dans les stands, il y a des coussins où on a mis de raffia. Des motifs, oui. Il y a des motifs de raffia, il y a des couleurs. Oui. Il y a des couleurs, hein, il y a les couleurs traditionnelles obtenues sous bas de mélange. Madame la ministre, on peut la retrouver parce que De 20h, de 18h à 22h, c'est uniquement les vins. Ici parce que tout le monde. Nous attendons aujourd'hui 10 millions de visiteurs ici. Oui. Tout le monde voudrait voir Maître Gims, tout le monde voudrait voir Jibem Piana, Innocent Baloumé, Josardio Kalongo. Ce sont ces grandes stars qui vont devoir vendre la RD. Madame, on vous attend. C'est le rythme du Congo. Voilà. C'est cette danse-là. C'est toutes les générations qui se retrouvent. On a montré les Bombenga, on a montré les anciennes générations. Et aujourd'hui, ils sont joués par la nouvelle génération. Donc, la rumba, c'est partout. Ça fait battre le monde. La rumba, c'est le business. La rumba, c'est la rumba. De Boane à Inosbi. De Boane à Inosbi. Ce soir, ici, à Dubaï. Alors, il y a notre ministre qui est là parce que les ministres sont attendus. S'il vous plaît, soyez disciplinés parce que si vous le faites comme ça, on ne vous recevra pas et nous sommes en direct. Allez. Merci de vous respecter, de respecter le travail des autres. Allez, donc on reçoit leurs excellences, monsieur le ministre. Si tous les ministres sont partis, nous reprenons les directeurs généraux qui sont là. Et le directeur chef de On disait tout à l'heure, on attend ce soir dans le stand pour la RDC au moins 20 millions de personnes. Au Bambou, vers 18h, justement, parce que on dit, hein, les ambassadeurs, au-delà de toutes ces richesses qui sont en train d'être vendues ici, à Dubaï, idéalement, la rumba sera. On peut recevoir par deux le temps. Venez, vous êtes ensemble. Il faut une partie du même ministère. Une structure par personne, comme ça on connaît. Alors le micro, je peux vous laisser. Monsieur Kalej Kang, j'ai toujours difficile à prononcer. Monsieur Kalej Kang, qui est directeur général de ARSP. L'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé. Voilà, l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé. Je vous donne le micro, moi je parle assez fort. Merci. Monsieur Kalej, vous venez ici à Dubaï, vendre quoi? Présenter quoi? Écoutez. Vous êtes allez-y. Dubaï. Allez-y. Expo 2020 est plus qu'une vitrine. C'est un carrefour d'échanges, des cultures et un forum pour la présentation des opportunités. Mais nous devons dépasser la limite des opportunités. Nous devons dépasser la limite du potentiel et passer à l'action. Nous sommes venus ici rencontrer des opérateurs économiques afin d'établir une connexion pour pouvoir passer à l'action afin de transformer le potentiel en richesse réelle et de transformer le rêve en réalité. Et cela ne peut se faire que par l'action. Voici ce que je peux dire. Félicitations, parce que la sous-traitance dans le secteur privé, c'était un domaine qui était par le passé tenu par des étrangers. Mais aujourd'hui, grâce à votre action, on sent quand même qu'il y a des efforts qui se font pour que nous puissions notamment récupérer le marché, en fait, surtout dans les milieux minés. Est-ce que vous avez discuté par rapport à ça ou bien ça passe facilement? Merci beaucoup. Non, on ne peut pas dire que ça passe aussi facilement qu'un couteau dans du beurre. Les difficultés sont là parce que tout changement rencontre de la résistance. Mais nous avons foi que notre action va aller de l'avant et va produire des effets parce que nous avons les appuis sur. Le chef de l'État lui-même est très concerné par cette question et le gouvernement entier est derrière nous pour nous accompagner. Donc nous sommes certains que le message va être perçu et exécuté. L'invitation que nous lançons s'adresse aux opérateurs économiques pour qu'ils puissent s'approprier de la loi et qui puissent saisir ces opportunités finalement qui sont offertes par cette loi, qui leur donne l'exclusivité d'exercer des activités de sous-traitance. Alors, vous avez pour slogan la création des millionnaires, le président a dit ça, sa vision c'était créer des millionnaires. Est-ce que dans votre secteur,
les gens viennent et on peut espérer voir des millionnaires congolais. Notre action d'abord touche à tous les secteurs. D'accord. Les mines, les télécommunications, le bâtiment. Vous êtes une entreprise transversale. Transversale, dont nous touchons à tous les secteurs de la vie économique. C'est là où c'est important et c'est là où c'est une activité importante pour la relance de l'économie nationale. Exactement. Donc si tous intériorisent cette loi-là, s'en approprient, et que si on l'applique correctement telle qu'elle a été conçue, elle sera porteuse au-delà des millionnaires. Oui. Mais on va s'approprier d'abord de notre économie et on va créer une véritable classe moyenne qui est le véritable moteur du développement économique dans toutes les nations. Là, c'est ce qui nous manque, cette classe moyenne. Monsieur le DG, on va se retrouver tout à l'heure de temps en temps. On est là. Merci beaucoup, félicitations, parce que le combat que vous menez, c'est-à-dire quoi? Vous trouvez par exemple dans notre pays, nous sommes le seul pays où on trouve dans une mine, on doit approvisionner à manger, c'est un Sud-Africain ou un Malien qui vient préparer le foufou des Congolais, voilà. Alors que les Congolais sont Bakop, Nanakop. Comment Chinois ont l'âme de la foufou Congolais ou Teki? Toi, Kalingile, Bitoyo. Comment le bino? Non. Bitoyo, on a Congolais, ça la société, qui est née, Yata, rempli ma condition, il y a de la marque Bitoyo. On va rappeler les conditions, les raisons, c'est très simple. Hein, c'est très simple. On va rappeler très vite, on va rappeler les conditions. Il faut juste avoir une entreprise dont le capital est détenu à au moins 51% par un Congolais. Voilà. Donc ça ne veut pas dire qu'on exclut les expatriés. On peut s'associer. Mais il y a quand même la préférence nationale. La préférence nationale. Voilà. Entre un Chinois qui va passer dans tout, voilà. Un Congolais qui va passer dans tout, on prend le Congolais. On prend le Congolais, bien sûr. Allez, monsieur le Chinois, merci beaucoup. On va se retrouver pour un peu. Je m'en ai dit tout à l'heure. On va se retrouver pour un Chinois, on va se retrouver. Allez, on continue avec... Monsieur Ezekiel Bidoya. Ezekiel Bidoya qui est directeur général de l'ANADEC. Ouais. Allez, vous êtes à Dubaï. Là, on y trouve. Allez, dites-moi, vous venez de présenter quoi? Oui, je pense que, comme l'a dit mon collègue tout à l'heure, nous sommes l'Agence nationale de développement de l'entrepreneuriat congolais. Hier, nous étions office de promotion de PME congolaises. Je pense qu'au niveau de ce forum, nous sommes là pour deux raisons. La première, c'est qu'il y a un forum annuel des investissements qui va se tenir dans le cadre de l'Expo. Et nous avons amené des start-up congolaises qui vont pitcher, présenter leurs projets pour trouver éventuellement des business angels qui vont financer leurs projets. Mais aussi, c'est aussi une opportunité de montrer que, voilà, Dubaï, c'est l'entrepreneuriat qui est au centre. L'État a mis en place les cadres et les Émiratis eux-mêmes ont finalement créé des entreprises. Et donc nous sommes là aussi pour démontrer que dans le cadre de nos missions, nous développons des projets que nous appelons des incubateurs. Mmh. Et derrière ces projets, il y a des chaînes de valeur qui peuvent se développer. Et c'est des opportunités de business pour éventuellement les Émiratis. Monsieur Ezekiel, la question que je vais vous poser, dans tous nos pays du monde, ces jeunes, moi j'appelle ces jeunes qui ont des startups, ces incubateurs, ils sont privilégiés. Peut-être sera bango un moyen pour la nuit, parce que par exemple, la savon est à l'lobby. Il y a un peu la bison, il y a un peu de l'eau. On a raison parce que c'est créé depuis novembre. En novembre, là, oh. Voilà. Donc c'est tout à fait normal. Voilà. Donc c'est la bande ou quoi? Voilà. Aujourd'hui, Mbora la MC Toza à peu près à 60 millions de jeunes. Mais l'ensemble est à Congo. Toza a 622 000 entreprises. Alors que France, en 2021. Non, pour 90 millions de projets. 102 millions selon le projet. Bon, selon ça, on a 622 000 entreprises. Dont, voilà. Dubaï, il y a beaucoup de choses. Voilà. Dont 80% d'informels. Alors, avec 60 millions de jeunes, ceux qui poussent vraiment à créer une entreprise, de conséquence, le taux de chômage est à plus de 70%. Le taux de chômage est à plus de 70%. Si on a créé un crédit, La première des choses, c'est l'idée. L'entrepreneuriat, c'est un processus. Il faut pas aider ou on a idée. Au lieu de jeune passer sa classe avec ma TFC à ma copie-coller, ils peuvent déjà faire des TFC qui sont des projets. De sorte qu'une facilité, on l'accompagne pour développer son projet. Et donc, on aura suffisamment des entreprises. Il y aura un sujet pour l'MTP. La transformation du manioc voilà en un jus
exportable. Voilà. Et directement, et ça accompagné, à la fin, tu as ton entreprise. Est-ce que ce serait pas au repas, là, comment? Bon, il y a ça, l'été, pour Ruby. À côté, mon nom, cadet. La circoncision sur les matériaux là. Cas de bandale. Conséquence des années, tant on a signé ça, au bandit j'ai l'honneur. Et puis à la fin, même si nous avons les regrets. Voilà. Alors l'ANADEC vient changer ce paradigme là. Donc c'est une réponse à la... ce faisceau des questions que les gens se posaient. Exactement. Place Royale, immeuble Le Royal, bah au moins enseignement va mener comme il y a un ADEC. Mais le juste, il y a immeuble du gouvernement. Voilà. Mais ce qui baillé, bah au moins facilement, bah au moins on a eu facilement, moi ce qu'on les a, moi c'est ce qui baillé. Nous voulons changer en fait des choses. Soit que nous payons dans la banque pour faire le compte, il ne faut pas moins aller DG. Donc chef d'agence quelque part, il va résoudre ton problème. Non. Ah oui. Quelle est la guichet unique? Voilà. La vie de la science. Quelle est la guichet unique? La vie de la science, on peut saluer dans la condition. Mais ça, c'est 123 dollars ou quelque chose comme ça. Donc l'idée. 123 dollars ou combien? Et les 200 dollars, tu au salut, ma personne du canon surtout, mais sur qui nous avons le panaï. Enregistré pour un représentant. Et puis, il faut pas au moins dans le protocole, il y a des gens qui vont vous prendre en charge. Ouais. Alors, il faudrait aussi préciser, hein, parce qu'on a visité dernièrement le bureau de la DEC, c'est au premier occupé. Une chambre start-up center. Si on a passé au internet, on a passé au place au bureau pour travailler internet, ou quelqu'un n'a pas la dans la salle Mobimba. Ah oui, ben, ah on mettait les amis, internet disponible au bureau, mais on travaille au bureau Mobimba, n'a pas ok. On a ça, c'est pour ceux qui sont à Kinshasa. Bon, on va tourner à l'intérieur. C'est vrai que c'est une phase pilote. Voilà. Ouais, l'idée, c'est de s'étendre sur l'ensemble. Mais c'est le gouverneur, chaque gouverneur de province, prenez les initiatives, de créer une salle pour les jeunes qui créent des entreprises. Bah, ça, moi, salmon à bouquet, petit à l'heure, moi, va. D'ailleurs, chaussures, on a lati, et la fabriquée par les Congolais. Les jeunes Congolais. Donc, c'est la chaussure, hein? Ouais. Voilà. C'est par les jeunes congolais. Okay. Et on veut démontrer que des jeunes à filière cuir marché, et là il y a plus de 90 millions de paires de chaussures. Voilà. Mais importées. Alors que toi n'a Ngombe, toi n'a Pau, toi n'a pas jeune, qui peuvent transformer ça. Expliquez-moi. Mais il y a ça mon incubateur. Mais c'est pas oui, non, ça veut dire que donc tu reçois la dette là tu as la bata mais bata tu mets toujours sur le moins bis sur moi. Voilà. Tu peux ça mon combo. Voilà. Ça va t'en poser ensemble. Ça va t'en ça va. Non. Heureux j'en ai pas que sur la terre on a tiré et tu y es alors pendant la question avant de Ronabiso qui en dehors il y a fabrication abattoir et aller business opportunité business tannerie. Et l'opportunité à business, donc autour il y a chaussures, il y a énormément d'opportunités et le marché est là, il est là sur dans notre pays. Monsieur le Merci beaucoup. Merci Monsieur le Béger. Non, c'est moi. Merci pour l'écoute de l'agence. Elle a l'air de dire très vite, elle a dit. Agence nationale de développement de l'entrepreneuriat congolais. Allez, ils ont la royale, hein. Okay, on a royal, hein. Immeuble du gouvernement, immeuble Landi na Katiwana. Okuta Chichango, start-up, on a deux banques, on a quatre donc. Vraiment, félicitations. Merci. On a mon combat, mon nez, on s'arrête. Surtout. Ma petite va créer un plan et belle, mais ma petite va kenda. Objectif, petit dans la royale. Matérialiser vision, mon conduit, dans la millionnaire. Merci à toi. Merci, monsieur le DG. Alors, toi, soit Bandeau, la mission, Kabemba, N. Moubala, Mao Pibino. Ça fait 20 ans que tu as raté. Mais c'est pas même pas. Il y a aussi des Congolais. Jean micro. Ici, il y a non seulement d'entreprises. Alex, merci. D'entreprises, il y a l'État. Kakane, et y est. Mais tout ça, il y a des Congolais. Il y a des sociétés. Il y a des pays qui ont des émiratis.
qu'est-ce qui s'est passé? Quel contact vous avez eu ici? En fait, moi, j'ai depuis deux ans... Allez-y, posez-vous d'abord. Hein, je suis Gérard Jules Dédonné, cabinet là, voilà, il y a un cabinet. J'ai un cabinet d'affaires installé à Dubaï, mais ce même cabinet à Kinshasa, il est un cabinet d'avocat d'affaires. J'ai depuis 2-3 ans, je travaille sur Dubaï et j'ai relevé ma Elema et Bélé. Je veux tout simplement dire aux Congolais qu'il y a la possibilité d'investir à Dubaï, puisque sous le cadre étatique, le président de la République, chapeau bas, on a pu avoir des accords commerciaux. Et donc, moi, j'ai dit construire de passerelles. Et ça, la je vais simplement vous donner des données. Est-ce que vous savez que d'une manière journalière vient de Kinshasa plus ou moins $1 million pour lesquels les gens viennent acheter des histoires ici? Voilà. Simplement acheter. Je vous dis qu'il y a possibilité, sur aux en à moins 50 000. 30 000, 40 000 naona Kinshasa, en 3 minutes, tout ça est la société, voilà, ouais. Et en 2 minutes, investissement naio est porté au triple. Parce que tout simplement, risque investment, Deux choses, il faut ma structure l'État. Il y a encadré par entrepreneur congolais. Il y a aussi la agriculture. Au long n'a pas au ça la gaba pimpin. Pimpin autre lien à Nakin ba tout bateka ngo au Zali ba tu à Nigeria. Et pimpin on les alli extrêmement cher par rapport à la pimpin au Yamuke. Donc les entrepreneurs congolais le la pimpin. Nous devons importer l'eau et ya awa. Aux en a 20 000, 30 000. Parce que je veux vous dire que la plupart des magasins, au bout de nos autres, nous sommes dans la logo, et ça, il y a des Émiratités. Et ça, il y a des Chinois, il y a des Indiens, des Pakistanais. Et bien, il y a des Pakistanais. Bah, il y a des 5 000, 6 000, des Tchala. Je veux vous dire. Bah, on va l'ingala. Et ce qui m'a choqué, c'est qu'il y a une année, aux en a des magasins, dans un Sayo, if Congolese don't come in Dubai, we close office. Donc, ça revient 100 000 dollars. Tu dois rajouter 30 000 dollars. Il y a des somba de 1000 au pango, il y a 27 000 au Sali Boussoba. Pour 3 000 euros, tu m'as dit. Mais il y aura esprit, il y aura boule. 2 milliards de boules. Tu me rejoins. Voilà. Aux en a 30 000, moi, comme mon abisso, na ébisso, il y aura 20 000. Tiens, ma compte na yo, 20 000 y a dans mon awa. Ou investir awa, et pour permettre yo, pour permettre yo, investissement na yo, et ça là, doublé. C'est un milieu qui permet que Mongo, Ecola et Bakisama. Et donc, moi j'en appelle dans le domaine de l'agriculture, parce que Fonay Bissabino, pourquoi la commune agriculture le Guali Fousso? Parce que dans ce pays, tout ce qui se mange est importé. Mais c'est une bêtise, nous avons plus de 80% des terres arables, nous sommes incapables de produire les terres. J'ai vu des Ougandais qui ont des magasins. Malgré ce Outaka, Ouganda ne batekaka awa, batekaka na ba poivre. Donc nous avons la possibilité d'encadrer les entrepreneurs au Congo avec Anadec, Anapex et bas. Tout importer du logo Nabango et Yahawa, il y a les finances, il y a l'immobilier, il y a tout. Il y a la possibilité d'investir. Donc, moi j'attends à mon avis, merci. Bakar Tezali, Tokope Sabino, Nakin Baya na numéro 3, avenue Colonel Ebea. Au ex-hôtel Ave Maria, deuxième étage. Snell Azali, Motema et Limo et Développement.
mboka moko te na mokili ko tambola sans courant oyo nyoso oyo bazolo 17% des desserts ya Congo ezali sine bande ko na biso mosusu bazali wana basali ata 1% de. Donc il faut bo encourager SNEL, bo encourager SNEL to yawa pour na kosolola na makambo ba ko kosalisa. Par exemple SNEL boye bakate na ba barrage naye aza ko pekisa te ba energie e si sa ka zamba ezala il faut tout voir bénéfice nango exactement awa na cadre B2B business direct na business tout ça moi ma solo mon ki pour total ndenge nini SNEL a ko bénéficier na effort aza ko sala wana pour na ko bomba ba zamba na biso na ba mai na biso boye longo ban. Merci bien, monsieur le DG. Voilà. Monsieur le PC. Hein. Monsieur le PC. Hein. Monsieur le PC. Rien. C'est bien le commun. Merci de savoir comment on a. Depuis que les Togolais ont des difficultés à ma casse, ils m'ont gagné mon aîné. Nous ne sommes pas pris à temps. On est dans l'île de Colombie. Dans combien? Second à l'eau. Mais là, le bacal. Le bacal. Batonanga, Baïa, ou Baïa, l'esprit à patriotisme. IGF a beau couper sa bango frais d'émission. Voilà, on est en direct. Ça, ça on va régler ça après. Ça, on va régler ça. On reçoit après. On va régler ça après. Ça, on va régler ça après. Allez, on continue avec nos compatriotes. Maman Yara. Maman Yara. Les directeurs qui sont là. Maman Otto. Oui, attends, Mbalé. Bonsoir, Monsieur le président, présentez rapidement dans 2-3 minutes. Est-ce que vous êtes président pour vous nominer? Vous préférez Nini? Nous avons la mouille sauté. Pour tout le président, l'état de Katina Dubaï, à Zongaki, tout le monde a proclamé ambassadeur pour Nabiso, ambassadrice, mais tel est l'eau. Tout ça pour ébater ce qui est comme Iwapi. On a préoccupation à Bissot qui est tout ça mal à monter. Il faut ambassade comment? Il faut comme. Vous allez vous poser comme on a Bissot, tout ça comme gouvernement reconnu. Tout ça là, on a Bissot, on a tout ça pour le Bana et bien la Congolais Moko et ça n'a pas de tout ça pour ébater Ndenge Nini, tout pour rapatrier. Parce que bon, tout ça, passeport naïe, tout ça, Nini, donné ce qui est en Arabie Saoudite, Zonga. Peut-être après un mois, de Donc, biso toza na souci na biso moko parce que ceux qui par exemple moko negeto yambi bino ceux qui moko on ne souhaite pas azui problème c'est la même difficulté que toza na nango nous sommes là biso moko te toza neti gouvernement ya Congo représenté à Wana Dubaï donc to implorer vraiment ambassade ezaké bandako sala nous sommes là biso nde to bon, Dubaï nous donne beaucoup d'opportunités to osa la combien peu près bafanda ka toza à peu près pas 1000 ans c'est déjà beaucoup. Oui. Et puis Dubaï nous donne beaucoup d'opportunités. Il y a Bissot, presque Bissot, ce qu'on fait là-bas, compagnie. Nous sommes là, Tosunga Kaba, Congolais, Nyoso, Bayaka, Dubaï. Ils travaillent avec nous et pour Nako Tinda Babilo, Konabango et tout ça. Mais nous implorons vraiment que le gouvernement a considéré des mondes Nabiso. Il y a quoi activer ambassade, chambre de commerce. Oui, Roger, par rapport au lobby, nous avons des difficultés à moins bénin. Mais tout ça retenir toujours ma contribution à Bissot, malgré que bloque Bélé Zozanga, tout ça, papa, maman, bana, Bissot, toujours représenté Nyos, on a Congo. Et
depuis où est le Kinexpo, tous les sous Globo Village, je crois qu'ils ont au karaté, tous les gens qui ont été au Congo, les gens qui ont participé. En profiter de la tribune en pessimisme. Merci, Bande Koumassa, moi, Bélé. Économiquement, tous les représentants. Allez, maintenant, venez à l'heure. Attendez, on va vous appeler. Allez. Vraiment, tout le monde au Kangamabo, au bureau qu'on a mis, et il y a un combo na congolais. Mais ils ont côté. Il faut vraiment battre la madame. Merci beaucoup. Allez, il y a quelque chose derrière. On va prendre la chambre de l'homme, mais le mot de la séance est 80 millions. Venez, vous êtes en direct, vous êtes vraiment pressé de parler. Asseyez-vous là, mettez-vous et attendez votre tour. Ici, vous êtes ensemble? Je vais montrer ça, je veux qu'on puisse me montrer ça. Ah ouais, là j'ai Camille, mais mon petit chapeau. Je veux qu'on puisse me montrer ça. Mon petit chapeau, Camille. C'est 80 millions. C'est 80 millions de terres arabes que la RDC. Allez, votre basque. Ok, donc voilà. Je voudrais bien que la caméra puisse nous fixer ce que le ministère de l'Agriculture vient de mettre. Si nous avons 80 millions d'hectares. Des terres arables, c'est-à-dire où tout pousse. Dans notre pays, tout pousse. Tout pousse dans notre pays. Eh bien, ici à Dubaï, Jessica Bassélé, on va commencer par la Gécamine. La Gécamine. La Gécamine. La générale de carrière. La Gécamine, qu'est-ce que la Gécamine nous a apporté ici? Qu'est-ce qu'elle vient raconter ici? La Gécamine vient ce soir, ou plutôt cet après-midi, je suis arrivé tôt le matin, parler un peu de différentes ressources qui contribuent aujourd'hui à l'épanouissement énergétique. Surtout à l'augmentation de la production. L'épanouissement énergétique, d'abord. Essentiellement parce que nous sommes tous en train d'aller vers l'énergie propre, l'énergie non polluante. Et donc Gécamine produit du cobalt, du lithium. Aujourd'hui, nous sommes en train d'aller vers l'horizon nickel, qui est aussi un intrant extrêmement important dans la production des batteries électriques. Et nous produisons également du cuivre, qui est en fait un intrant. Et je veux signaler que tous ces minéraux sont, on peut les voir ici à Dubaï, dans notre stand. Absolument. Alors, on va momentanément aller sur Kinshasa. On me dit qu'il est temps qu'on puisse régler deux, trois problèmes techniques. Aris, qui nous regarde depuis Kinshasa. Aris, pas vous là? On te rend l'antenne et on te retrouve dans quelques instants le temps d'organiser pour parler avec monsieur à Dubaï. Allez, à l'antenne. Et puis nous allons nous retrouver. Avec...